وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى ربنا ألهمنا الرشد وجملنا بالتوحيد وأكرمنا بمحبتك وانصرنا ببركاتك آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورد. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous soumettre certains versets pour bien comprendre notre état actuel. On va débuter par le verset 20 du chapitre Al-A'raf, c'est-à-dire l'enceinte qui sépare le paradis de l'enfer. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسماهما إني لكما من الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق الله العظيم. Donc vous voyez que Waswas, c'est-à-dire, il murmure pour les tromper, pour les séduire, pour vraiment leur causer beaucoup de problèmes avec Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour ne pas avoir la connaissance totale. Il y a un secteur où on n'a pas intérêt à le dévoiler, à le, comment dirais-je, le mettre devant nos yeux. Parce que ça peut nous nuire. Et c'est arrivé là-bas, au paradis. وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا pour leur faire voir ce qui a été caché. Parce que le caché, c'est caché parce que Dieu veut comme ça, pour que la voie soit libre vers le bien, vers le bonheur, vers le désir. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أري عنهما من سوءاتهما. سرير Dieu a fait que notre connaissance ne doit pas être partout. Par exemple, nos parties sexuelles, elles sont faites pour une certaine fonction sexuelle et reproductive, ni plus ni moins. Et dans un cadre bien donné, un cadre délimité par Dieu, le cadre de la famille, pour ne pas, comment dirais-je, causer des naissances compromises, des naissances mises aux différentes indéterminations, aux différents accidents, etc. Vous voyez que Dieu a voulu que la famille soit quelque chose de rassurant pour la progéniture. Si Dieu laisse nos parties sexuelles au vent et tout le monde veut telle femme ou telle femme, tel homme, et puis après ce rapport-là, ou bien après un laps de temps dans cette relation-là, on laisse, comment dirais-je, les naissances venir sans avoir un contrôle de qui cet enfant, cet nouveau-né, de qui il est parti, d'un tel père et d'une telle mère. Et comme ça, ces deux parents vont faire le nécessaire pour que ce nouveau-né soit bien reçu, soit bien dans le care le plus positif, etc. etc. Le care, c'est pas uniquement la nutrition, c'est pas uniquement les soins, le nettoyage, c'est aussi l'affect, c'est aussi le va-et-vient entre les deux racines et le produit, c'est-à-dire ce nouveau-né, etc. Il y a des tas de choses
أدير ليه وأنا فلت. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. سي سا maintenant puisque Satan il domine la presque totalité de l'humanité, on a des débauches maintenant, on a toutes les perversions qui puissent exister sur le plan sexuel, etc. Vous voyez maintenant, tout est permis, mariage entre homo, n'importe quoi, ça peut venir, sodomie, etc. Et qu'est-ce qu'on a récolté? Il y a beaucoup de problèmes qui n'existaient pas auparavant. Donc vous voyez que l'islam, c'est-à-dire la religion, la relation entre Dieu et ses créatures, Fakalei, c'est généralement, si elle n'est pas perturbée par Satan, elle va couler toujours avec calme, avec confort, avec délice, etc. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة. Donc il s'est mis entre Dieu et nos parents, que la paix d'Allah soit sur eux. Et maintenant il se présente comme un bon conseiller. Alors qu'auparavant, on a vu auparavant aussi des signes de violence, des signes de menace, comme on dit, proférés par Satan. Par exemple, Dieu dit, Qala fa'ahbit, c'est-à-dire Dieu s'adresse à Satan, au diable, le maudit. Qala fa'ahbit, c'est le verset 12. قال فاهبط منها ما يكون لك ان تتكبر فيها. C'est-à-dire, tu dois descendre, tu dois être expulsé du paradis parce que tu as commis quelque chose de très grave. C'est l'arrogance, c'est la violence, c'est l'animosité envers nos deux parents, etc., etc. Et puis, il a refusé de recevoir l'ordre divin par la soumission. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. Donc tu dois sortir parce que tu es quelqu'un indigne d'être là. Sagar, sagar, c'est-à-dire celui qui a été démis de ses fonctions, qui a été déclassé, etc. Donc il est dans l'abomination, dans la non-dignité, etc., etc. قال فان قال انظرني الى يوم بعث. Il a répondu à Dieu, laissez-moi un petit délai jusqu'au jour de la résurrection. Du bâton, c'est-à-dire la résurrection. Bâton. قال انك من المنظر. Dieu lui a donné ça, ce laps de temps. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. Vous voyez, il dit لهم, pas لهم. C'est-à-dire, il veut que la progéniture humaine soit condamnée à ses séductions, à ses tromperies. Car la femme, il m'a aguaité, c'est-à-dire, vu que vous m'avez, comment dirais-je, séduit, aguaité, séduit par l'arrogance, la non-soumission à Dieu. Car la femme, il m'a aguaité, à condamner l'âme, c'est là que mon statut, je vais me mettre sur leur passage lors de la vie terrestre. Et pour vraiment les saccager, les causer des étourderies, leur causer des pertes, leur causer des maux et des douleurs, etc. Et des regrets. Car la ma waitani l'akadan lahum, et pas lahuma. C'est là que nous stakim, fumma l'atiyannahum bayni aydihum min khabdihim, wa an aymanihim wa shama'ilim, falatiz wa karam shakim. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il va les, comment dirais-je, les maltraiter, il va les poursuivre, il va leur barrer la route de la piété, des bonnes actions. Car l'Atienne a une bonne idée, c'est-à-dire en avant d'eux, en leur face, derrière leur dos, sur leur droite et sur leur gauche. Car comment? Car l'Atienne a une bonne idée. La condamne la honte sera comme un stakim. Fumma la atienne en béni et dit, mon khalifa. Donc il a vraiment les armes encerclées. Ou mon khalifa, il m'a aimé, 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 il m'a aimé,
Et tu ne trouveras pas la majorité de ces gens-là parmi les gens qui vous remercient. Et Dieu, il a dit, sors de là, tu es vraiment madmoum, comment dirais-je, madmoum, c'est-à-dire l'évincé, celui qui n'a plus de valeur, celui qui ne connaît pas ce que c'est l'esthétique, ce qu'est la droiture, etc. Madmoum, madmoum, c'est-à-dire tu es toujours en état de défaite parce que tu fais le mal. لمن تبع لمن لمن ايوه لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين et puis ceux qui vont suivre de leur progéniture vous serez tous toi en premier lieu et eux les dominés dans de mauvaises occasions et dans un mauvais séjour قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين صديق وفري البلاء دو لانفير وفري لي باردون بور ليترنيتي ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين هو سافي بيان كو ديو أدوني أ ليدي لو بارادي أ نو دو بارون إليستر كو لا بيد الله سوا سور أو pour vraiment mener une bonne vie là-bas. Mais, vu leur faiblesse de mémoire, vu la méconnaissance de ce que ça veut dire Allah, ce que ça veut dire Dieu, parce que Dieu est la source de tout bonheur, de toute bonne connaissance, de toute de tout bon comportement, il est la source. Il est le bienveillant, il est le miséricordieux, il est le clément, etc., etc. Nos deux parents ne sont pas au courant de toutes ces positivités-là. Ils sont toujours exposés aux séductions sataniques et ils vont subir les conséquences. Lorsqu'on a vu ces versets, à partir du verset 20, on a vu qu'il a vraiment su les tromper. Adam et ton épouse, vous allez avoir comme lieu d'habitation le paradis. C'est-à-dire manger de tout, sauf, il ne faut pas s'approcher de cet arbre-là, qu'on dit l'arbre de connaissance. Ce n'est pas l'arbre de connaissance, c'est un arbre qui est un cadeau empoisonné qui a été manipulé par Satan pour nous détruire, pour nous causer beaucoup de troubles. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذا الشجر تقرب تدير ne vous approchez pas que dire lorsqu'on va cueillir le fruit maudit qui a causé notre expulsion du paradis ولا تقرب هذا الشجر فتكون من الظالمين et vous serez dans ce cas-là parmi les gens qui font du mal à eux-mêmes. Avalm, c'est l'injuste. C'est lui qui cause beaucoup de troubles à soi-même ou aux autres. Maintenant, nos politiciens, ce sont des gens bien comment dire, comparables et même très proches du diable. Ils disent n'importe quoi, ils fournissent les différents messages, faux messages. Et maintenant, ils jouent beaucoup un mauvais jeu lorsque, par exemple, il y a ce problème d'avion de la compagnie allemande. Les politiciens, ils ont un mauvais jeu de répéter leur cinéma, qui sont vraiment touchés par cet événement-là. Ils sont, comment dirais-je, atteints par une peine. Ils cherchent la vérité de cet accident-là. C'est-à-dire, ils font plus qu'il ne faut. Donc, ce sont des mauvais politiques. Et des politiciens de mauvais augure. Et toujours, ils font ce qu'il ne faut pas faire. Ils imitent
leur subordonné, lorsque un tel fait un geste vers telle chose, il le fait comme un singe, etc., etc. Donc, ce ne sont pas vraiment des gens qui peuvent mener les peuples. Ce n'est pas vrai, parce qu'il est très, comment dirais-je, il est très manipulable. Il est manipulateur, manipulé. C'est-à-dire, on dit en arabe, c'est-à-dire que la sorcellerie, elle va contre l'intérêt du sorcier. Maintenant, c'est un cas très grave. Suivre ces gens-là, c'est vraiment, on va vraiment vers la catastrophe générale. Que Dieu nous protège de cette catastrophe. Donc, je reviens au verset 22. Ah, وقاسمهما 21. وقاسمهما إني لكما لمن النصحين. Il y aura vraiment dit, je suis dans le vrai. Je veux être votre conseiller le plus fidèle. وقاسمهما, donc il jure, وقاسمهما إني لكما لمن النصحين. فدلهما بغرور. Et comme ça, il va s'attirer vers le bas de la condition humaine. C'est-à-dire en les trompant, il va les disqualifier. C'est-à-dire vis-à-vis de Dieu, ils ne sont plus des gens soumis, ils sont des gens rebelles. Comment dirais-je, tout en étant inconscients de leurs actes commis à propos de l'arbre et de ses fruits. فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة لقد جابت فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءتهما et leur partie sexuelle sont dévoilées. Ils sont gênés et ils se sont mis à assembler les feuilles des autres arbres ou du même arbre parce que Dieu il dit, c'est-à-dire partout où il y a des feuilles, comment dirais-je, ils les mettent les unes sur les autres pour camoufler, pour cacher la partie qui a été auparavant cachée. Vous voyez comment ils nous causent des troubles d'une façon insidieuse, d'une façon qu'on n'est pas au courant de ce qui va advenir. Vous voyez, l'humanité, elle est comme ça. Elle a des problèmes, elle continue son arrogance, elle continue son insoumission à Dieu, elle continue à traiter les gens de Dieu comme des terroristes, etc. Or, c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Il faut aller à la racine du problème. Ce qu'on n'est pas des vrais croyants. Ni les juifs, ni les chrétiens, ni les musulmans sont des vrais croyants maintenant. Sauf une réalité. Et Dieu merci. Mais la majorité, ce sont des faux soumis à Dieu. Ce sont des rebelles à Dieu dans les actes, pas dans les paroles. Parce que pour nous, en islam, dans la vraie religion voulue par Dieu, les actes, c'est eux qui déterminent la nature de notre être. Est-ce que nous sommes vraiment des gens de Dieu ou pas? Si on préfère, je suis musulman, je suis chrétien, je suis juif, etc., sans avoir les bonnes actions, c'est qu'on est dans le domaine de l'hypocrisie et dans le domaine de la rébellion sournoise. Donc méfiez-vous, la majorité de l'humanité, elle est très menacé par ce mauvais jeu avec la parole et avec l'acte. Donc méfiez-vous, vous êtes responsable. Personne ne peut dire que vous êtes des gens incapables de penser, mais vous ne pouvez pas penser par la meilleure manière. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas un Dieu. On ne peut pas dire qu'il y a une multitude de divinité. On ne peut pas dire ça. Pourquoi vous persistez tout en disant que vous êtes des croyants? Or, être croyant, c'est vraiment être sûr que Dieu existe
être dans le pur monothéisme, etc. Alors que votre réalité, c'est tout à fait différent et dans les antipodes par rapport à la vraie connaissance de Dieu, à la vraie religion qui nous lie à Dieu. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا Dieu leur a adressé la parole. رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ Ne vous ai-je pas interdit cet arbre-là de s'approcher de cet arbre. Ils sont allés au. Jusqu'à l'extrême désobéissance. C'est-à-dire, ils ont pris les fourmis, ils ont mangé. Donc, ce n'est pas uniquement s'approcher, c'est aussi consommer. Et c'était grave. Maintenant, tout le monde parle de la bonne vie, du confort, de l'argent. Et lorsqu'on leur demande d'où vient cette provision, bouche cousue. Personne ne dit qu'elle vient de Dieu. Parce que si on dit ça, elle vient de Dieu, on va leur demander pourquoi donc vous gâchez votre vie par vos désobéissances, par vos infidélités, etc. Vous voyez, donc tout est lié. Ils ne veulent pas vraiment voir la vérité en face. La vérité que Dieu, on n'a pas le droit de douter de son existence. Et on n'a pas le droit de lui accorder des assistants ou des associés. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ Ne vous ai-je pas dit que le diable est votre ennemi le plus juré et le plus féroce. Mobile, c'est-à-dire il est très évident dans l'animosité de son, comment dire, il est un ennemi à 100%. Pourquoi maintenant on vit avec Satan? Pourquoi on ne pense que par la méthode satanique, diabolique? Pourquoi on veut toujours être des dominants, être des voleurs, être des criminels, être des menteurs, fiefs menteurs, etc. Pourquoi on continue ça? Parce que nous avons opté pour le parti du diable. Et nous avons tourné le dos au parti de Dieu. Hezbollah, c'est le parti du Créateur. Nous, nous sommes les bénéficiaires de ces pauvres religions. Pourquoi ne pas appartenir à son parti? Son parti, il est pour la paix et non pas pour la guerre, sauf en cas de nécessité. Donc, si le monde veut vraiment une paix, comme il faut, une paix vraiment vécue, ils doivent, les gens, c'est-à-dire de ce monde-là, doivent repousser le chemin vers Dieu, demander le pardon pour sortir de ce mauvais pas. Car Rabbana, car, c'est-à-dire nos deux parents, illustres parents, que la vie d'Allah soit sur eux, car Rabbana va l'amener à vous seigneur. Ils plaident coupables. Ils reconnaissent leur trouble, leur arrogance, leur insouciance, leur mauvais comportement. Nous sommes comportés comme des ennemis à nous-mêmes. Et au cas où vous ne nous pardonnez pas et nous être miséricordieux envers nous, c'est-à-dire nous accorder votre grâce, nous serons parmi les gens les perdants. Car Dieu, il leur a ordonné de descendre sur terre. Car la manière de se descendre, on ne connaît pas comment elle a été vécue. Car vous serez les ennemis les uns contre les autres. Et surtout, le premier ennemi qui va s'activer pour comploter contre vous, vous serez toujours dans un cas de manipulation tendancieuse qui veut du mal pour l'humanité.
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أبو سوري يوري أسيزو الهباء ومتاع إلى حين. أبو يوري أبوار أن كومبورتمون qui cherche le confort, qui cherche les jouissances pour un certain délai. Quand la fille ima, et Dieu lui poursuit sa parole, quand la fille ima tahayouna, fille a tahayouna, c'est-à-dire sur cette terre-là, ou bien ta moto, et aussi là-bas, vous décédez, ou même notre jour, et à partir de cette terre-là, vous serez ressuscité pour être rassemblé et pour être, comment dirais-je, jugé. والسلام على من اتبع الهدى.